Allez, c'est reparti pour du Resident Evil Village. Hop, on recharge notre précédente partie. Oui. Et on va en chier. Salut, Agence Bully. Comment ça va? Oui, merci, je savais que Eisenhower était un président. Merci, les gars. Mais je ne savais plus son nom à l'autre con. Mais ça ressemble à Eisenhower. Sauf que à la place de Hower, c'est Eisenhower mais avec un berg. Putain, ouais, alors cette partie-là, j'ai pas de ouf apprécié. Je peux plus reculer. Oui, je peux plus reculer, sinon je me fais enculer. Voilà. Mais si, bien sûr que tu peux reculer, regarde. Tu vois, comme ça. J'ai le moonwalk. Est-ce que j'ai tout pris? Putain, j'ai tout pris. J'ai tout pris. J'ai tout pris. Où c'était que je dois aller? Écoutez. Écoutez, monsieur. Je vérifie tout, hein, quand même. On sait jamais. Donc c'est-il que je vais maintenant? Je vais par là? Oui, bonjour. Mais non. Ah oui, mais non, non, mais non. C'est de là que je viens, connard. Mais qu'est-ce que je fous avec mon couteau, moi? Par où je vais, là? Ah oui, mais faut que je prenne ce truc-là, je crois. Oui, c'est ça. L'autre, il m'avait dit, oui, il m'avait dit, faut utiliser la machine. L'autre con, Chris Redfield. Qui, à mon avis, n'était pas Chris. Combattre le feu par le feu. Chris Redfield. Je sais pas, je dis peut-être une connerie, mais bon. J'arrive, Rose. Oh là là, maintenir, préparer le canon. Se protéger. Oh là là, putain. Donc attends. Ça c'est se protéger. Fous de ma gueule. Moi je défonce tout hein les gars. Pas déconner. Bon j'arrive à Heisenberg mais dans 2 minutes hein. Laisse-moi préparer mon bordel. Hein. Rechargement? Quoi? Mais j'ai fait un trou là ou quoi? Mais je peux pas y aller! Non, c'est pas par là. Bah, c'est badass, oui, à moitié quoi. J'ai envie de te dire. Vas-y, je vais tout péter, on s'en fout. Non, ça n'a pas marché. Je sais pas où il faut aller! C'est l'or. Ah attends. Putain mais c'est où? Sans déconner. Vas-y, je vais essayer. Je vais réessayer, je m'en fous. Mais ta machine elle est pourrie, elle va pas dans la flotte, connard. Je vais essayer là aussi. Salut Zikril Elroy, comment ça va? Mais j'ai rien pété du tout en fait! C'est la merde! Oh, c'est de recul quoi! C'est chiant par contre le rechargement là. Allez. Munitions infinies, on s'en fout. Allez, on essaye tout. Toute cette merde. Le mec il s'amuse.
Bon, d'accord, mais où c'est-il que je tire? Ça n'a rien fait, quoi. Ça n'a rien fait. Alors là... Ah mais ah d'accord, mais fallait que je rentre là-dedans. Oh. Ah, super. Les ascenseurs dans ce jeu, ils mettent 3 quarts d'heure. En plus. Ils sont longs les ascenseurs, bordel. Non mais c'est pas possible. Oh merde, évidemment c'était de l'autre côté, non? Pas ça. Ouais, fais-moi péter ça. Quoi? Ah! Fais-moi péter cette porte. Mmh. Oh, il faisait pourtant beau. Quoi? Tu penses pouvoir m'affronter? Bah oui. Ce sera mon échauffement avant de tuer l'autre conne. Réponds ça. D'homme à homme. Mais bien sûr. Rejoindre les rangs de mon armée. Oh putain, il m'en fout une grosse dans la gueule. Qui t'écoute? Pas mal. Pas mal. Oh là. Il va me les envoyer dans la gueule. Je vais t'écraser comme une fourmi. Hey. Oh, n'abandonne pas. Je l'ai senti passer. Vas-y. Je l'ai senti passer. Vas-y, continue. C'est très sexuel. Le gros con. J'imagine que c'est la force de l'amour paternel. Merde, j'en ai pris une dans la gueule. Allez. Quel pire enfer. Putain les gars, c'est Call of Duty quoi là maintenant. Merci de ta patience. Toi. Devant mon corps d'acier. J'imagine que je dois dire merci à cette gomme de Miranda. Je l'ai tué avec le pouvoir qu'elle m'a donné. Ah, le mec il en veut à Miranda. Hein. Dommage que je sois le seul spectateur. Oh putain d'enculé. Ah, très bien. Tu sais ce que ça fait de passer toutes ces années sous la coupe de cette connasse. Connasse! Putain, mais le mec, il arrête pas de l'insulter! Moi, je me bats pour la liberté! J'utiliserai ton adorable! Ouais, c'est là où c'est rouge là! Gros con! J'en veux plus! Oh putain! Le pouvoir tourne, métal! Fini de jouer! Oh putain, j'en ai pris une belle là! Hein. Fais voir le cul! Putain, je vois plus que dalle! On voit que dalle! Touche mes couilles! Oh putain, il gueule toujours l'autre! Merde, merde, je suis tombé du truc! Il va me couper en deux! Salut Larka. Oh, comment ça va? Non mais je vais pas y aller où? Pas y aller où flingue? Impressionné? Ouais d'accord. Mais cours gros con! Alors qu'en penses-tu? C'est sans espoir.
pas vrai. Laisse tomber. La chaîne et le sang. Gaga, 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 gaga. Ce n'est pas ta vie. Ah ouais, putain, on va. C'est Ethan et sa mort sanglante. J'en prends plein la gueule. Maintenant, meurs avec ma vache. Oh merde. C'est pas les bonnes. Ah, tu viens de le dire. Impressionné. Dommage que je sois le seul. Mais non. Mais putain. Tu t'éclates. Oh merde, je l'ai loupé. Je voulais viser son dos là. J'ai plus rien, évidemment. J'ai plus rien. Allez, vas-y. Oh putain, il arrête pas de gueuler. Mais nique ta race. Allez viens. Impressionné. Oh là là. Je sais pas trop où il faut tirer quoi. Dommage que je sois le seul spectateur. Mais recharge, bordel. J'en veux plus. J'ai eu chaud. Chaud la bite. Non, c'est moi qui t'éclate. Je sais pas, il y a un truc là. J'ai l'impression que c'est là qu'il faut buter, mais si ça se trouve, c'est pas ça. Impressionné. Oh putain! Je crois qu'il a eu mal! Gros tas de merde! Oh mais gros! Oh mais non! Non mais sans déconner! J'aurais vraiment dû accepter mon offre. Tu reverras ta fille dans l'au-delà. Non, sur le bordel. Ouais, vas-y, rattrape ça. Le spectacle est fini. Oh là là, le truc s'est désintégré quoi. C'est pas encore fini pour moi. Je dois la tuer. Eh ben non. Cerveau d'Heisenberg. J'ai tué Heisenberg. Maintenant, je vais trouver Miranda et récupérer Rose. N'y va pas sans moi. C'est trop dangereux. Attends-moi, d'accord? Ethan? Rose? Ethan? Ethan, réponds! Mia? Notre fille. Elle compte tellement, n'est-ce pas? Elle est tout pour moi. Pour moi aussi. Sans Heisenberg, tu n'as plus de piste. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien, mais je vais sauver Rose. Tu ne sais rien. Tu ne vois rien. Comme lorsque j'ai pris la place de Mia chez toi. Pauvre Etta. Qui es-tu? Où est Rose? Miranda. Ça suffit.
Te souviens-tu d'Evelyn et de son pouvoir sur la moisissure? Rose est son successeur. On l'a pas vu arriver. La forme véritable et parfaite d'Evelyn. Elle deviendra capable de contrôler les masses. Oh, merci pour le raid! Charlotte! Comment ça va? Salut Lucas Light! Calme-toi. Rose sera sauvée. On est à la fin, hein? Le Megamycète nous garde tous en mémoire. Salut Katosé! Cependant, elle renaîtra comme ma propre fille. C'est ma fille, c'est pas la tienne! Vous étiez sur quoi? Où est-ce que t'es? Salut Epi! Montre-toi! Pourquoi Rose est-elle si spéciale? Est-ce à cause de ses parents? La vieille! Que tu es un cas à part. La vieille pute. Mais tu n'as plus rien à m'apprendre. Je n'ai plus besoin de toi comme cobaye. Ah mais oui, Layers of Fear, bien sûr. Espèce de lâche! Allez, amène-toi! Ne t'inquiète pas, Ethan. Ta mort sera rapide. Tu rejoindras la mémoire du Megamycète. Quoi? Je garderai un échantillon de ton sang pour plus tard. À l'aube prochaine, la cérémonie... Non mais là, normalement, il est mort, hein. Et je deviendrai alors sa voix... Salut Emnes, salut Bichoco. ...lié pour l'éternité dans le sang. Mais là, il est mort. Il est carrément mort. J'ai attendu si longtemps. Mon rêve va enfin se réaliser. À travers Rose, je vais enfin pouvoir retrouver mon enfant. C'est clair qu'on se croirait pas dans un Resident Evil, hein. En fait, il a crevé comme dans le film que j'ai vu hier. Il s'est fait arracher le cœur. Et donc, bah oui, je redis, je sais pas si on entendait bien. Merci pour le raid, Charwatt. Donc, t'as fait combien de temps là sur les Years of Fear? Capitaine, je vous confirme qu'Ethan Winters est bien mort. Je n'ai pas pu récupérer le corps, mais j'ai des preuves, tout est enregistré. Partageons nos écrans. Que je t'explique la situation. Avec mon équipe, on a été imprudents. Hier, on a lancé l'assaut sur Miranda. Mais elle a survécu. Qui aurait imaginé qu'elle pouvait se faire passer pour un cadavre? Comme Miranda aurait pu infecter Ethan, j'ai décidé qu'on l'emmène aussi, en plus de Rose. Mais le véhicule dans lequel ils étaient a été attaqué. Quand je suis arrivé sur les lieux, Ethan et Rose n'étaient plus là. La dernière fois que j'ai pu contacter Ethan, j'ai entendu Miranda. Elle l'a tué. Et je jure qu'elle va payer pour ça. Bordel, ça s'arrêtera quand? Quoi donc? La mission? Tout ça, 3 ans à essayer de mettre fin à cette merde. 3 ans de trop. Il est écrit, seule Lynn peut vaincre Ganon. L'escouade est prête. Merci pour les 5 mois, Charlotte. BSA est déjà là. Ils ont pas perdu de temps. On change nos plans? Non, on fait ce qu'on a dit. On élimine Miranda et on sauve Rose. C'est la mission. L'échec n'est pas une option. On va enfin pouvoir s'amuser, comme au bon vieux temps. On y va. Compris. Kenine, je veux savoir ce que le BSA a foutu ici. Vois ce que tu peux trouver. Compris, je m'en occupe. Ça fait un bail qu'on s'était pas battu ensemble, capitaine. C'était quand la dernière fois? Le désert?
À force de faire de la reconnaissance, j'ai perdu la forme. Ouais, mais grâce à ça, on sait ce que Miranda mijote. N'empêche, j'en reviens toujours pas qu'elle ait pris l'apparence de Mia. Et le fait qu'elle ait encaissé 5 tirs dans la tête, on en parle ? Flippant. Eh ben, ouais, on est sur la... Là, tu te spoil carrément, hein. On est carrément sur la fin du jeu. Donc, barre-toi vite ! Mais ouais, ça fait un peu Call of Duty. Salut Joliviac. Salut à tous ceux que j'ai loupés, hein. J'en ai peut-être loupé un ou deux. Bah non, reste pas, parce que là, t'es en train de te spoiler la tronche. Ce serait un peu dommage. Digicote. Salut Digicote. Et quand Chris jure, il tient parole. Ouais, tu m'étonnes. Mais putain, Mich, je suis un peu... Ça, il me prend avec couilles. Mais qu'est-ce que c'est que ces gifts? Mais qu'est-ce que c'est que ces gifts? Mais tu... Mais c'est... Mais c'est incroyable. Arrête, Charlotte. C'est incroyable. 5 abonnements, mais c'est... C'est dingue. C'est dingue. Un grand merci à toi. Donc Charlotte qui donne un sub à Baruka, à Duki Balboa, à Bishoko, à Isoyan, j'ai pas vu le dernier, à Tom François également. Écrit, c'est seul Link peut vaincre Ganon. Arrête, mais non, mais arrêtez, Lulunico, 100 bits. Oh là là, mais arrêtez. Merci les gars. Merci les amis. Il est écrit, seul Link peut vaincre Ganon. Ah, c'est dommage, il vous met tout le temps la même là. Il pourrait changer quand il y a des gifts. Il pourrait changer. Un grand merci à toi, Charlotte. Me Mario, Mario Beat. Lulunico qui nous fait du 100 bits. Bon, bah les gars, il va falloir quand même être à la hauteur là. J'avais peur, je vous cache pas que j'ai eu peur que ça se termine en fait avant. Quand il fumait sa clope. Hein. Là, je me serais dit, oh non. Faut pas déconner non plus. Alors, où c'est-y qu'on va? Merci, Linko. Me Mario, Mario Beat. Merci pour les 100 bits. Le BSA, ils vont trop loin. Oula. Le BSA. Oh. Oh, mais il y a un petit train en approche, là. D'abord, il faut se débarrasser de ce truc. Merci, son offabiche. Cours, capitaine. Pour les 100 bits. Non, arrêtez, vous avez déclenché le train. Oh putain. Mario, Mario, mais merde, mais vous avez déclenché un train. Il est déjà au niveau 2, 100% là, les gars. Mais vous êtes fous, arrêtez. Merci, Charlotte, merci. Merci. Non, arrêtez. Mario, Mario, oh, c'est la régalade. Oh, regardez-moi ça, mais regardez comme c'est beau. Non, c'est animé en 15 FPS quand même. Par contre, c'est animé en 15 FPS. Ah, la vache. Ah ouais. Salut Alex Demange, comment ça va? Bon les gars, j'ai la pression quoi. Du coup, faut que je termine le jeu quoi. Par où tu passes, Chris Redfield? Par le même. Avec un groupe d'armes biologiques. Quoi? Ah! Mais je croyais que c'était mes potes. Mario, Mario, yes. Mais arrête Charlotte avec les 100 bits. Tu vas dépenser toutes tes bits. Hein? Hein? Des mecs. Des autochtones. Au secours. Oh putain, elle fait mal son arme à Chris. Mais je veux cette arme là. Je veux cette arme là pour tout le jeu. Salut Rokushian, comment ça va? Salut, thanks. Quoi? Y'a un mec derrière? Au secours! Non, y'a pas de mec derrière. Je reconnais ta voix. Oui, oui, c'est bien moi. C'est bien moi. Eh, les gars, si vous débarquez, bim, je fais ma petite pub. Hop,
C'est parti. The Chain. Route ouest dégagée, j'y vais. Bien reçu. Bien reçu. Route ouest dégagée. Oh. Quoi? Allô? Y'a des trucs à ramasser ou pas? On a des munitions illimitées? Merci pour le follow, thanks! Je ne mange pas de graines! Merci, thanks, quoi. Je veux dire, ça fait deux fois merci. Appareil du BSA à repérer. Deux gardes. Je peux m'en charger. Pas de risque inutile. Biche, mais ça rime pas avec vous! Oula! On prend. On prend, ça régale aussi ici. Non, mais Charlotte! Offert par Charlotte! Ah putain, le new sub de Thanks! Offert par Charlotte, mais Charlotte elle est en train de. Ta banquière elle va péter un câble. Quoi? Ça fait moins. Mario, Mario B. Dark House qui s'y met! Oh là là, mais arrêtez! Merci pour les 100 bits, Darka! Je viens de casser mon PEL, t'inquiète. Putain. Attendez, parce que. On n'est pas déjà passé par ici avec Ethan? Putain, Ethan est mort, les gars. Ethan est mort. Mais ceci dit. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Les gars. Il s'est fait arracher la main. Le cœur, il peut se le recoller, je suis sûr. It's me, Mario, merci Son of a Beach. Merci Son of a Beach. Pour les 100 bits. Putain, oui, Phil, Charlotte, je t'ai déjà dit, tu vas te spoil la gueule. Tu vas te spoil la gueule. Oui, tu t'insistes à rester là. Salut Nick Rose, je t'avais pas vu. Bon, qu'est-ce que c'est que cette. Je peux pas. Quoi? Ah! Arme biologique mutante en vue. Qu'est-ce que c'est que cette... Quoi? Ils sont 8000! Gardez bien vos masques. Quoi? Oh merde! Va te faire foutre! Je vise comme une pute! Mais tu vas tirer, connard! Quand même! Quoi? Non, c'est bon. Ah putain, recharge! Ah, vous nous avez fait un train de la hype à niveau 3, 38%. Non, la première fois que ça arrive. Merci, un grand merci à vous tous! Hé hey chef, c'est moi. Je suis en train de préparer le tir d'appui. J'en ai pour une minute. Compris. Ici Toundra, j'ai laissé du matériel dans l'une des maisons capitaine. Servez-vous. Ouais, c'est. Ça fait un peu. Ça fait un peu trop Call of Duty à mon goût, mais bon. Oh, c'est la fin, quoi, on va dire. J'ai plein de trucs, en fait. Ça, c'est quoi, ça? Inutilisable. Ah, j'ai mon petit... Je vais essayer avec celui-là. Je sais pas où je vais. Oui, bonjour. Oh putain, c'est sa vision nocturne. Eh mais ouais, je me souviens de cette baraque là. C'est là où on avait eu peur. Il y a un truc, regarde à la fenêtre. Bon, ok, mais alors attends, c'est parce que si je peux aller là, les gars. Pourquoi je peux aller là? Y'a pas un moyen de passer, non. J'ai pas de carte. Putain, j'ai pas de carte. Faut que j'aille au feeling. Elle est où la grosse bestiole? Elle est là-bas. Bon bah, on va
y aller, hein. Ah! Bon, bah non, on passera pas par là. Moi je vais aller par là. Un chiotte là. Ah! Ah! Non mais ça c'est pas bon! Oui! Anybody there? Mais c'est là où j'ai eu peur avec le cochon et tout. Je reconnais les lieux. Quoi? Je vais peut-être remettre ça, hein. Ah! Ah! Ils arrivent! Putain, mais j'aime pas quand j'entends des bruits derrière moi, putain. Allez vous faire foutre. Umber Eyes, t'es toujours avec moi? Je vous vois. Objectif à 200 mètres. Ah, putain, ta gueule. Ah! Anybody there? Ok. J'ai jamais entendu parler mec. De les lignes tamisées de silence. Cassez-vous! Ah putain, il m'a envoyé une vieille merde. Putain, mais il y en a partout! Allez, le tir dans les couilles! Et toi? C'est fini pour toi, c'en est fini pour ta gueule! Ah! Mais dégage! On y va tranquillos, on y va tranquillos! Il est parti lui! Oh, il est parti! Je vais voir par là. Oh, il y a des trucs à ramasser! Bim! Ah! Putain d'enculé! Bon, je pense qu'il faut... Ah! On va foncer! On va foncer! Non, 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 c'est bon, t'as pas mal! Ah! Non, y'a trop de mecs! Des bombasses! Des bombasses! Oui! Oh! Ouais, bah... Mais ça dégage, ça dégage. Casse-toi, toi. Ça y est, je suis devant la cible. Oh. C'est bien quand il y a une cinématique. Je t'envoie les coordonnées. Ok, bien reçu, chef. Vous avez vu, ils ont tous disparu, les mecs. Bon, je suis devant la cible, d'accord. Ah, c'est ça. Rechargement. Je recharge. Juste une minute. Hein? Le groupe se dirige vers vous. Ah! Ça va pas le faire! Mais oui, mais bon, je... Mais aussi... Si t'y vas pas assez vite, connard! Voilà, ça dégage. Ça dégage, là. Là, ça fait du bien. Bonjour. Y a encore des mecs? Okay, oh non, putain, ça, c'est bon. Ça a niqué pas mal. Non, il y a encore des mecs. Non, non, je suis désolé, je ne peux pas. Ah! Quelque chose doit la stimuler. Les mecs du BSA. Oh merde, putain. C'est chaud. Est-ce que le marqueur de cible fonctionne? Écoute, ils sortent de la moisissure. Ah putain! Je peux pas faire mon bordel, y'a un mec qui me tire dessus, Robin! Utilise des armes! Je suis sûr qu'ils se détruisent, je suis touché. Je crois que ça va pas tarder à s'écrouler. Attendez un peu, je recharge. Putain. Et voilà, faites attention, capitaine. Mais non, mais non, mais va te faire foutre. Oh, mais j'ai trop peur! Purée de patabite. Ouais, mais je peux plus rien foutre. Ah, j'en ai plus. C'est mort. C'est mort, les gars. C'est mort. C'est mort. Ouais.
Il peut même pas charger. Ouais, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Allez, allez. Cinq autres en provenance des montagnes, côté est. Je suis pas loin, je me cherche de. Putain. Casse-toi, casse-toi, Chris. Pointez le laser sur la cible et je m'occupe de l'est. Merde, j'étais en train de me soigner. Putain, c'est chiant de plus avoir de bombes là. Putain, allez, dégage. Mais putain, prends en visée, connard. Oh non, mais il y en a 8000. Toujours pas de cible. Là, il y en a vraiment 8000. Oh putain, il était là. Je sais pas ce que je fous en haut là. Il peut pas venir. Si, il peut venir. Attends, il me sucer. Je suis tiré dans le pied. Ah quoi? You've got not the monopole, monsieur. Bon, eh. Hein? Non! Va te faire foutre. Prenez ça. Bien. C'est peut-être bon, là. Je devrais pouvoir descendre. J'y vais. Vous autres, vous restez là. Capitaine, j'ai comparé la moisissure du village à celle récupérée chez les Baker et... Il n'y a aucune trace de modification génomique, contrairement à la série E. Ce truc est né ici. Oh. Ça veut dire qu'on va encore se battre. Putain, il y a encore des mecs. C'est vraiment grosse action quoi. Comment? Écoutez, monsieur. Ça, on garde le méga michette. Merde, ça sert à rien. Ah bon? J'en ai un balèze là. Il va me falloir un coup de main. Chef, vous êtes sous terre. Il y a une ouverture au-dessus. Utilise-la. Ok, j'arrive. Tenez bon en attendant. Tenez bon en attendant. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il me prend pour un gland. Mais je vais m'en prendre une dans le cul. Tenez bon en attendant, quoi. On s'amuse, hein? On s'amuse, monsieur. Je suis juste au-dessus, chef. Ok, je vais t'indiquer la cible. Je vais t'indiquer la cible. Putain. Attends, Super, ça a marché. Quoi, il est mort? Hein? Il est pas totalement mort, connard! Juste une minute. Oh bah oui, juste une minute. Y'a pas beaucoup de place, hein. Putain, il est encore en rechargement. C'est bon. Quand vous voulez.
Oui monsieur, attendez deux secondes, deux petites secondes, aïe. Il se relève encore. Attendez un peu, je recharge. Oui bah c'est bon, j'ai compris que tu rechargeais à chaque fois. Okay, arme biologique éliminée. Où est-ce que je dois tirer? Je continue. Vous autres, restez ok. En où est-ce que je dois tirer? Bah le mec, mais non mais on l'a eu connard. De la vieille grotte. Donc si Miranda était la fausse Mia, ou est la vraie? À mon avis, Miranda s'en est débarrassée. Il y a des choses qui m'échappent. Comment Miranda a appris l'existence de Rose? Peut-être que son petit doigt moisi lui a dit. On verra ça plus tard. Concentrez-vous sur la mission. Je l'ai trouvé. C'est le Megami 7. Putain. Oh la vache. C'est dégueulasse. Je vous le dis comme je le pense. Merci Linko pour le clip. J'ai localisé le Megami 7. Alors ça y est, on va enfin pouvoir en finir. Et c'est pas trop tôt. Oh la vache, oui, bonjour le ménage. Explosif N2 en place. Cette charge devrait rayer le village de la carte. On fout le camp et on fait tout sauter. Pas avant d'avoir tué Miranda. Je veux être sûr de la voir cette fois. Elle est pour moi. Bien reçu, on bouge pas. Capitaine, j'aperçois Miranda sur le lieu de la cérémonie. Restez à distance. Ne bougez pas tant que j'en ai pas donné l'ordre. Je sais que c'est trop tard maintenant. Je crois qu'on aurait dû parler du plan à Ethan. On n'avait pas le temps. Et Miranda est passée à l'action plus tôt que prévu. Quand même, vous auriez dû le mettre au parfum. Ouais. Oh là là, et ça sent le non-dit. Hein. Non, je voulais faire ça. Je voulais le faire. Juste comme ça. Sans déconner. Ça doit être le labo de Miranda. Oh putain, le labo quoi, le labo! Nom du sujet, Alcina Dimitrescu. Très favorable, fonction cérébrale normale. Sa vitesse de régénération est exceptionnelle. Elle peut cicatriser n'importe quelle lésion externe en quelques secondes et faire pousser ses ongles pour obtenir de longues griffes en un rien de temps. Ceci entraîne également une croissance excessive de son corps, et son cul surtout. Il est à noter qu'en raison d'une maladie héréditaire du sang, le sujet doit régulièrement ingérer du sang humain pour maintenir ses capacités régénératives. Si l'équilibre métabolique du sujet venait à être rompu par une substance toxique, je crains que son corps mute de façon incontrôlable. Une enveloppe inadéquate pour Eva. Ok. Oh putain, mais il y a 8000 bouquins à lire. Salvatore Moro. Oh putain, il s'appelle Salvatore. Le cadou a provoqué des changements drastiques à l'intérieur de son corps, développant des organes semblables à des branches de poisson, à des branchies de poisson, et une vessie natatoire. Alors là, pour le coup, je ne connais pas ce mot. Natation, je pense, non. Je sais pas. De plus, une division cellulaire irrégulière le fait se transformer en un poisson géant. Le sujet est incapable de contrôler sa transformation. Trop de défauts, une enveloppe inadéquate pour Eva. Ouais, Eva. La gamine de merde, là. Beneviento! À première vue, rien ne la distingue d'un être humain ordinaire. Néanmoins, elle peut s'écrire... Bonsoir, qui sert à la nage, d'accord. Salut, Mythos. Rien ne la distingue... Néanmoins, elle peut sécréter une substance produisant un signal qui contrôle les plantes infectées par le Mutami 7. De plus, lorsque des humains absorbent le pollen d'un certain type de fleurs, elle peut leur faire avoir des hallucinations. Cependant, elle souffre de troubles mentaux et a réparti son cadou entre ses poupées
afin de les contrôler à distance, une enveloppe inadéquate pour Eva. Bon, ouais, c'est très bien, allez. On va trouver le bon, là. Karl Heisenberg. Le sujet dispose d'organes électriques similaires à ceux des raies électriques appelés Narke Japonica. Ces organes sont reliés à son système nerveux. Il peut conduire et contrôler l'électricité dans son corps et créer des champs magnétiques capables de déplacer le métal. Un spécimen remarquable, mais toujours inadapté pour Eva. Là, tu m'étonnes, vu sa gueule. Donc cette merde. Oui, tout à fait. Cher Miranda, pardonnez-moi de reprendre contact avec vous sous cette forme. J'aimerais me rendre à nouveau dans votre village pittoresque. Malheureusement, mes obligations m'en empêchent. D'ailleurs, je me demande si une femme immortelle comme vous se souvient encore de ce pauvre étudiant en médecine à moitié mort dans la neige. Ce que j'ai appris il y a 15 ans durant mon séjour dans votre village a littéralement changé ma vie. Vos recherches ont été une grande source d'inspiration pour moi. Cette idée de transformer les êtres humains en les infectant avec un organisme m'a fait l'effet d'un électrochoc. J'étais sûr qu'un tel savoir pourrait m'aider à accomplir ma vision de mener le genre humain vers une nouvelle étape de l'évolution. Même après deux guerres mondiales et à l'aube d'une troisième, ma conviction n'a jamais été ébranlée. Néanmoins, à travers les nombreuses discussions que nous avons eues chaque soir, j'ai pris conscience d'une grande divergence entre nous. Votre but était de ramener une personne à la vie, tandis que moi, j'aspirais à changer le monde. Et cette moisissure que vous étudiez aurait su mener à une infection à grande échelle. Je me suis dit qu'un virus serait le meilleur moyen d'y parvenir. Voilà pourquoi j'ai dû vous quitter. Je regrette toujours d'être parti sans rien dire. Salut Moumous! Merci pour le follow et bienvenue à toi! Oui, c'est vrai. Oui. Oui, voilà. C'est vrai qu'il est un peu con, Chris. Pardonnez-moi d'évoquer ces souvenirs, si je vous écris aujourd'hui, c'est aussi pour vous faire part de quelques nouvelles qui pourraient vous réjouir. J'ai en effet découvert la clé de l'évolution. Il s'agit du Progenitor, un virus trouvé en Afrique. J'ai l'intention de créer une société avec quelques amis et collègues, entre potes, pour mener des recherches sur ce virus. Je compte la baptiser Umbrella. En référence au symbole qui se trouvait dans la grotte où nous avions pour l'habitude de discuter. Je suis sur le point de faire de ma vision une réalité et il me tarde de pouvoir vous en montrer les fruits. Vous m'avez tant appris et pour cela je vous serai éternellement reconnaissant. Oswald Spencer. Spencer, ouais. Ici. J'y crois pas. Oh putain, tout se raccorde là, tout se raccorde, les machins en Afrique, les tout bordel. Enfin, ils essayent de tout vous faire raccorder quoi. Oh là, oh, Eva, ça fait un siècle que la grippe espagnole m'a arraché à moi. J'étais tellement impuissante à l'époque, mais aujourd'hui, je vais pouvoir te faire sortir du méga du 7 et te ramener à la vie. J'ai dû tester les capacités. Il ne reste plus qu'à fusionner. Oh là là. Méga du 7 est composé d'absorbants. Je vous lis pas tout, j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul de lire. Salut Reiko, comment ça va? Moi, je suis sur machin dans les villageois. Les cadeaux! Cacadou. Evelyn. Ah. Ouais, d'accord. J'ai attendu si longtemps de te revoir, Eva. Eva Longoria. Il dégage. Ce n'est pas celui-là que je veux prendre. C'est celui-ci. Il est beau. Il est merveilleux. Le mec, il a une tête un peu...
C'est bizarre là sur la droite. C'est un petit peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que toute cette merde? Allez, hop. Ça c'est vraiment pour un petit peu rallonger le truc quand tu flippes pour la première fois, hein. Lire une tonne de bordel. Y'a pas des trucs Je peux pas? Bah alors, dis donc, faut pas déconner, non? Faut peut-être pas déconner. Les mains en l'air! Humber Eyes, ici Alpha, dis-moi où est Miranda. Sur le lieu de la cérémonie. Je sais pas ce qu'elle fabrique, mais elle y est toujours. C'est Mia. C'est vraiment toi. Elle l'a gardé. Je suis content que t'aies rien, Mia. Pourquoi t'es ici? On m'a capturé. Pour faire des expériences. Elle est moche. Et vous avez dit Mia? Mia Winters? En personne. Comment ça se passe là-haut? Va falloir lui annoncer que son mari, il s'en est pris plein la gueule. Pas distraire. Tenez-vous-en au plan, je me rends à la cérémonie. Attends! Tu comptes me laisser ici? Tu nous as fait une promesse! T'as dit que tu nous protégerais. On a fait tout ce que t'as demandé. On est même venu vivre ici. Et ça m'était égal. Tant qu'on pouvait rester ensemble. Alors réponds-moi. Où est mon mari? Où est ma fille? Ethan est parti. J'ai pas pu le sauver. Mais je peux encore sauver Rose. Moi, je trouve qu'elle avait une meilleure gueule, elle, dans le set. Je suis désolé, hein, c'était pas les mêmes. Là, normalement, les graphismes sont mieux. Mais là, putain, elle a une gueule de Sainte-Nitouche avec son petit gilet pourri, là. Je suis désolé, Mia, mais faut partir. Il faut qu'on détruise ce village. Non, tu te trompes. J'ai essayé de garder ça pour moi, mais... Tu ne comprends pas à quel point il est spécial. Quoi? Qui? Quoi? Quoi? Oh non. Non. Non, non. Il y a quelqu'un. J'ai froid. Pff, déjà le coup de la main. Bon, ouais. Bon, ça va pas me gâcher tout le jeu, hein, évidemment, mais. Mais là, scénaristiquement, il y a quand même des trucs. Mais il a toutes ses mains en plus! Oh, il s'est régénéré. Ouais, il fait... Oh, putain! Il est infecté aussi, du bordel. Et on va devoir réinterpréter ce connard. Oh, vraiment trop bête. Oh non, pas elle. Evelyn, qu'est-ce que tu fais là? Tu es mort. Miranda m'a tué. Non. Je dois encore sauver Rose. Et non, c'était pas Miranda. T'étais déjà mort. Non, qu'est-ce que tu racontes? Je peux encore... Tu vois? Miranda t'a pas tué. À aucun moment t'as trouvé ça bizarre? Mais c'est vrai qu'il s'en prend. Les blessures que oui. T'as subies, hein? C'est pas faux. C'est pas faux. Il y a 3 ans, Shelley Baker.
chat. T'es mort là-bas, il y a 3 ans. Non. C'est impossible. Tu devrais même pas tenir debout. Arrête. Tu m'embrouilles la tête. Tu devrais pas tenir debout. Ta gueule! Qu'est-ce que je suis? J'ai fait tout ça. Rose. Mia. Bon, allez, arrête de chialer. Ça y est, tu comprends? Ton corps, c'est rien que de la moisissure. Tu reverras plus jamais ta famille. C'est blanc, c'est trop blanc. Bon, il y a quand même une certaine cohérence dans l'incohérence, quoi. C'est-à-dire que bon, oui, on est vraiment sur de la science-fiction un peu nanardesque, mais surtout, enfin, on explique quand même pourquoi il s'en prend plein la gueule et qu'il vit toujours. Donc quelque part, ça passe. Ça explique la main, les doigts, les machins. La main deux fois en plus. On est dans le truc du vieux. Enfin, il se réveille. Et voilà. Où suis-je ? Dans ma roulotte. Vous faisiez un cauchemar. Regarde ton autre main, quand même. Duke. Juste pour être sûr. Votre combat contre Heisenberg valait le coup d'œil. Mais je n'imaginais pas voir Miranda. J'étais inconscient longtemps. L'aube va poindre. Putain, on n'aura pas joué de nuit, quoi. Duke, rendez-moi un service. Amenez-moi à Miranda. Je m'y attendais et nous sommes déjà en route. Nous arriverons sous peu. Merci. Nathan, êtes-vous bien sûr? Votre corps, comment dire, tombe en morceaux? Oui. Question idiote. En parlant de question idiote. Putain, mais vous êtes qui? Même moi, je ne puis répondre à cela. Nous y sommes. Je vous refaudrai ça. Monsieur Winters, je crains que vous ne puissiez plus jamais revenir dans le monde des vivants. Êtes-vous prêt? Ouais. J'ai pas le choix. Faut que je me dépêche. Ouais, mais moi je me dépêche pas. Oui, c'est vrai que ça fout un peu la merde dans RE7, ouais. Oui, et puis il a reperdu ses doigts, alors. C'est...
effectivement, c'est bon, voilà, bon. Ouais, il y a toujours des... Je pense qu'il y a toujours des trucs un peu... Ça fait trop longtemps que ça existe, Resident Evil. Ils sont partis, c'est comme Lost, hein, la série Lost, hein, c'est... ça partait en couille. Les mecs savaient pas où ils allaient. Je sais pas pourquoi je refais une nouvelle sauvegarde, je m'en fous. Mais voilà quoi. Après, ça remet pas non plus en cause que le... y a une bonne grosse partie de ce jeu là, RE8, que j'ai fortement apprécié. C'est vrai que le scénar, je suis peut-être un peu moins fan. Peut-être un peu moins fan au final. Mais tu vas pas chez le marchand. Pourquoi ? Pourquoi tu veux que j'aille chez le marchand ? Ouais, il va me refiler des trucs peut-être. Ouais, t'as raison. Mais putain, on peut pas courir là, c'est chiant. La boutique du Duc a tout ce qu'il vous faut pour les batailles décisives. Oh putain, j'ai 104. Votre périple touche à sa fin. Pourquoi pas quelques dépenses pour finir en beauté ? Mais oui, bien sûr. Déçu, vraiment ? Ça me paraît pourtant parfaitement honnête. On remonte tout là, les gars. On remonte tout. Tiens, le cigare, on va s'en faire un. Très bien, j'achète. Très bien, j'achète. Amad Victoria Kouram. Ah, je pourrais prendre ça. Hein, je vais prendre ça aussi, quand même. Un choix intéressant. Canon long. Putain, je le prendrais bien celui-là. Vous devriez vous mettre au minimalisme. Oh putain, l'enfoiré. Mais non, mon pote. Parce que regarde ce que je peux faire. Mais non. Bim. Tu as pas vu arriver celle-là. Hein. Mais non. Confirme. Oui. Oh, excellent choix. 56 000, putain. Il est pas dans... Ah bah non, on veut pas l'acheter, je m'en fous. Oh, 65 000 quoi. Laissez-moi faire. Oh, j'ai plus rien. C'est mort. Choisissez bien. Votre vie pourrait en dépendre. Choisissez but. Oh, Haruno Taku qui lance un raid. Merci bien. Je suis de retour du futur. Et bienvenue à vous. Comment ça va ? Comment ça va, Haruno Taku ? Bon. Surtout, soyez prudent. Oui, on va être prudent. Salut Starbuck. Ça s'est bien passé le stream ? Oui, oui, fais un loulou. Ouais. Loulou Haruno Taku. Oh bah bonsoir alors. Mais attendez, parce que moi je veux mon autre, ma nouvelle arme. Je veux la tester. Raccourci, je vais la mettre là. Tout à fait. Je sens que ça va me faire chier. Y'a pas des trucs là ? Non, y'a pas de trucs. Ah ! Cassez-vous ! Ça gicle. Quoi ? Y'a des mecs ? Ah, oh, bonjour. Voilà. Tu es...
Mais oui, cassez-vous. Bonjour, monsieur. Non, mais hé, hey, oh. Ah, mais j'ai pas le bon truc, en plus. Non, mais j'ai pas le bon truc. Eh, putain, mais attends, j'ai plus rien. Allez. Oh, mais merde. Bon, hein. Ça dégage. Faut me faire chier, hein. Allez, cours. Il faut que... Je continue. Allez, vas-y. Interagir. Oh, ma petite Eva. Ma fille adorée. Viens, allez, moi. Défonce-la. Eva. C'est toi. Oh. Et elle est toujours aussi moche. Toujours aussi moche, le bébé, hein. Quoi? Mon pouvoir m'abandonne. Elle parle toute seule, en plus, hein. Comme un vrai. Miranda. Intéressant. Ton corps n'est décidément pas normal. Rends-moi Rouge. Tout de suite. Tu verras. Une fois que je t'aurai achevé, tout sera... Ethan, maintenant! Ça m'a pris une belle dans la gueule. Aska! J'ai consacré ma vie entière à la réalisation de ce moment. On va se relever, ça va faire peur. J'essaie de me l'enlever. Je prendrai ce qui me revient. Non, ça va. Tous mes désirs seront comblés. Non. C'est assez classe. Oh, c'est à moi. Oh, oh, le bordel. Oh, les trucs de ouf, quoi, quand même. Tu as rempli ta fonction, Ethan Winters. Tu as anéanti mes pseudos et réveillé. Oh, ne t'en fais pas. On ne vous a jamais dit que le régime pouvait te guérir. Oh putain. Foutez le camp d'ici. Salut Iron Fist. Merci du follow. Je sais pas trop quoi foutre en fait. Dégage. Truc de chiottes. Je sais même pas si ça lui fait quelque chose. Oh, mais elle m'en fout plein le cul. Tu n'as rien à craindre. Mais elle est où? Ah. Laisse. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Ça devient n'importe quoi. Bon, j'essaye de tirer partout. Mais ta gueule, connasse. Putain, encore. Ouais, je te démonte la gueule, quoi. Hein, j'ai plus rien. Rien ne sert de lutter, parce que tu luttes et ensuite tu reluttes. Ah. Ok, j'ai compris comment me dépêtrer de cette merde. Ta gueule. T'es où, connasse? Ah bah t'es là. Tu vas te mettre dans le crâne que Rose est ma fille et pas la tienne. On se connasse. Ton heure. J'aurais rajouté ça, moi. L'heure. Pas le poufias. Passe, hein, ça passe aussi.
Je fais pas la... Ah putain. Oh putain. Il s'en prend toujours une dans la gueule. Y'a rien à faire. Mais non, mais si, si, je vais t'arrêter. À un moment donné, je vais bien t'arrêter. T'arrêter ta gueule. Encore se soigner, mais merde. Ça va bien. Je n'avais jamais vu un humain vivre sans ce cœur. Tu es sûr que tu n'es pas l'un des nôtres? Putain. Bon là, là, je vais peut-être me soigner. En plus, on l'entend battre le cœur. Je vais abréger tes souffrances. Moi, je la fais au flingue. Oh les gars. Allez, on va essayer avec ça. Ton heure est venue. Ta gueule. Ah. Non mais non, mais j'ai plus rien là. Ouais mais non, mais là ça c'est même pas la peine. Ça c'est même pas la peine. Attendez, qu'est-ce que j'ai? Mais je crois que j'ai plus de... Non, j'en ai plus de... ça, ça, ça va rien lui faire, je pense. Allez, on essaye. Le méga missette m'a sauvé du désespoir. Il m'a conféré ce pouvoir magnifique. Ouais, c'est ça. Ça t'a surtout rendu cinglé. C'est vrai, c'est pas con. Recharge. Ah, oh, i, u. Ta gueule. Entends ma prière. Jouer ça où? Je pense que je vais me prendre un truc dans la gueule. Ouais, c'était sûr. Quoi? On voit plus rien! Au secours! Bien, je crois qu'il est temps pour toi de lâcher. Putain la vache. Je peux plus me soigner là. Merde, c'est pas elle! Tu as été un père. C'est bon. C'est mort. On recommence, mais... Ouais. Je sais même pas... J'ai pas regardé dans mon truc si j'ai pas de... Des bombes ou des caisses. Oh non, ouais, on se retape pas tout, les gars. Passer. Hop. Tu as rempli ta fonction, Ethan Winters. Tu as anéanti mes pseudo-enfants et réveillé le glorieux Megamixet. Oh, ne t'en fais pas pour la petite heureuse. Allez, je bourrine, moi. Te rendre vraiment très heureuse. Tu peux donc mourir en paix. Et ça prend plein la gueule, quoi. Ah, pas que tu la contiennes. Quand est-ce que tu vas te mettre dans le crâne, Kurose? Et ma fille? Mais pas la tienne! Allez, on bourrine, on bourrine, on bourrine, ça marche mieux comme ça. En plus, on a un bon flingue. C'est le flingue le plus upgrade. Ah! Prends-toi ça dans ta gueule! Prends-toi ça dans ta gueule. Ouais, ça t'a surtout rendu cinglé. Voilà, on en est déjà là, donc ça va, vous voyez comment on va vite. Attendez, je vais regarder si, c'est pas, si j'ai pas des petites bombes. Bon, il y a ça, mais bon, ça va pas. Ah si, mais on va essayer ça. On va essayer avec ça, ça peut être drôle. Ouais, tiens, regarde. Ah, viens ici, connasse. Marche pas ça. Ah!
Bon, ça, ça marche pas, c'est de la merde. On va continuer à bourriner, hein. Si j'arrive à la viser. Ah! Ceci dit, les effets, ils sont vraiment beaux, hein. Les effets de plumes, là, les effets de trucs dégueulasses. Hein. Ah! Putain, mais je la vise comme une pute! Ah, mais t'es là. À chaque fois, si... On finit tous, Marc. Je vise dans le bras. Ouais, mais je me prends ça, c'est pas grave. Je suis Ethan, quoi. Je peux prendre la forme que je désire. Un oiseau, une paix. Même ta femme. Oh putain, mais. Est-ce que c'est vraiment la chiotte à viser, quoi. T'es où? Voilà. Je sais pas où c'est, où je peux ramasser là. Mais t'es là. Merde. Pourquoi est-ce que tu t'entêtes si proche de la mort, tu n'as pas besoin de. C'est long, long. C'est ma fille, bordel! Espèce de malade! Ni lui ni personne ne pourra m'enlever Rose. Eh hey, mais putain, tu crèves à un moment donné. Je pense que je peux. Les villageois. Est-ce que j'en ai envie? Enfants, aucun. Ouais, ça. Autre chose, hein. Et peut-être toi le problème. Tu es incapable d'aimer. Mais essaye pas de faire de la psychologie, connard. Rallonge un peu là. Oh non, mais pas encore ça. Je vais récupérer ma fille.
un problème, hein. Problème. Ou alors il y a un truc que je fais pas. Mais j'ai plus de balles là, hein, les gars. Donc ça veut dire bouge. Mon vœu sera exaucé. Mais attendez, ça boucle là. Oh là là. Arrête de faire l'imbécile. Un truc que je fais pas. Je prendrai grand soin de la petite. C'est pas possible. Ta vie s'achève ici, Ethan Winters. Pour être sûr de ne jamais te revoir, je vais te. Ta gueule! Comment ça nous fait chier, connasse? Ma fille! Mon Emma! Oh la vache, c'est long. Oh, puis il fait soleil. Merci pour les GG. Allez, récupère ton bébé moche et nous fais pas chier. Tout va bien, mon ange. Oh oui, tout va bien là. Tout va carrément bien là. Ah, ça a l'air d'aller vachement bien, oui. On voit jamais sa gueule à ce con-là. Ethan. It's me, Ethan. Mario, Mario, Ethan. Merci pour les 100 bits. Lève-toi. Son of a bitch. Chris, Ethan. T'as réussi. Tu l'as eu. Je crois que... Mais... Ethan, il faut qu'on bouge. Oui, là, je suis désolé, je vais couper les jingles parce que ça... Bon, j'aimerais bien profiter de la fin. T'arrêtes pas, Ethan. J'ai mis un explosif sur ce truc pour faire sauter tout le village. Regarde-moi. Il faut pas qu'on soit dans les parages quand j'appuierai. Bon sang. Il y a Mia qui t'attend. Elle est vivante, tu m'entends? Vivante. Mia. Je suis désolé. Je t'aime. Prends soin de Rose. Hé, hé. Hé. On voit jamais sa gueule, c'est énervant. Tu lui diras toi-même. Allez, viens, on n'est plus très loin. Veille sur elle. Apprends lui à être forte. Et merde. Adieu. Ah là là. Je vous parie que dans le 9 on bute Ethan. Je vous parie que dans le 9 c'est Ethan le méchant.
Merci pour les 100 bits, Dark House. Merci pour les 100 bits, Lulu Nico. Allez! Allez, on décolle! Vite! Oh, qu'est-ce qu'il y a l'air d'une cruche, elle? Chris! Où est Ethan? Dépêche-toi! Il faut qu'on s'éloigne! Non! Hors de question qu'on s'en aille sans mon mari! Mia, assieds-toi et attache-toi. Pas avant que tu me dises où est Ethan. Jamais il nous abandonnerait. Allez, dis-moi ce qui se passe. Où est... C'était quoi? Je t'ai demandé de t'asseoir. Non. Où il est? Chris! Dis-moi ce que tu as fait! Il est mort! J'ai essayé. Il est resté pour qu'on puisse s'échapper. Je suis désolé. Capitaine! Vous voyez ça? Le BSA n'a pas envoyé de soldats. C'est une arme biologique. Bon sang, à quoi il joue? Vos ordres, capitaine? Rassemble toutes les squads. Direction le QG européen du BSA. Quelqu'un doit payer. Ouais, j'avoue, j'en ai marre d'Ethan. Très clairement. Bien, même si on avait interprété Chris ou Léon, j'aurais largement préféré. Oui. Voilà, c'est la fin de Resident Evil Village. Il y aura un 9. Je sais pas comment ils vont le... l'appeler. Oui, mais normalement, enfin, c'est pas normalement, c'est... Dans le 2, on interprétait Léon, dans le 4, on interprétait Léon, dans le 6, on interprétait, malheureusement, Léon. Moi, je voyais bien dans le 8 qu'on interprète Léon, quoi. Bon, on va voir en combien j'ai fini ça. Ah oui, non, mais on va attendre, les gars. Hein. Déjà, faut... Moi, je veux voir en combien de temps j'ai fait le jeu, parce qu'à mon avis, c'est énorme. Je pense pas qu'on l'ait fait... Tout le monde l'a fait en 10 heures, je crois. Je crois qu'on est un petit peu plus. Oui, j'allais dire ça, Resident Evil Phoenix. J'allais dire ça de Guy Balboa. C'est vrai. Quelqu'un pour parier la durée, je tente un 12 heures. Je pense que t'as déjà perdu, Rokushian. Je sais pas, comme ça, je dirais... Allez, je dirais 16 ou 17 heures, moi. Je dirais peut-être même plus, parce que je crois qu'on est à 11... 11 stream dessus et à chaque fois on a fait 2 heures hein. À peu près hein. Moi allez, moi je dis 22.
Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Heureusement, ses parents qui n'avaient cessé de la chercher finirent par arriver. Avec une rage débordante, son père affronta la sorcière tandis que l'amour de sa mère brisa le maléfice. Mais la sorcière était puissante. Le père cria « Sauve notre fille !» La mère mit donc l'enfant en lieu sûr pendant que la forêt brûlait. Aujourd'hui encore, cette forêt calcinée est un triste rappel du sacrifice du père. On dit même que les enfants qui regardent trop longtemps cette terre carbonisée seront à jamais hantés par le cauchemar de se perdre en cueillant des baies. Alors dépêchez-vous pour les prédictions. Je vais prédire aussi. Oh merde, je sais même pas comment on fait pour prédire. Ah bah non, je peux pas. Entre 15 et 20 heures et plus de 20 heures. Ah les gars, vous êtes en train de perdre vos points à mon avis. Hein. Mon avis, on est à plus de 20 heures quand même. Non, 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 fais pas de pôle, fais pas de pôle. Non, non, je m'en fous, moi, de prédire ou pas. Salut Ranufle, merci pour le follow. Bon, je laisse, hein, je laisse défiler, puis on verra bien. Vingt heures et une minute. Non ! Putain, imagine. Ouais, c'est un bon Resident Evil, ouais. Je trouve qu'il est assez sympa. Bah, surtout la toute la grosse première partie. La première moitié du jeu est très très sympa. Et bon, la deuxième partie du jeu, à partir du moment où on est dans le... Voilà, forteresse, tout ça, ça devient très très action. C'est un peu moins mon délire. J'aime bien, moi, les ambiances, les trucs comme ça. Voilà, c'est... Bon, c'est bien dosé quand même, mais c'est vrai qu'à la fin, ils ont beaucoup misé sur... Sur l'action, quoi. Mais sinon, non, franchement, c'est un bon jeu que je reparcourrais, je pense. Pas tout de suite, parce que, bon, là, je commence à en avoir plein le cul. Moi, quand ça dure trop longtemps, c'est... Non, j'ai jamais fait les Silent Hill. Mais les Silent Hill, le problème, c'est que, non, c'est pareil. Les premiers, c'est le même genre que les premiers RE, et j'ai du mal, quoi. Ah bah Dimitrescu, c'est le passage le plus sympa, quoi. C'est le passage le plus sympa. Mais en gros, un peu comme dans le 7, hein. Dans le 7, le passage le plus sympa, c'est chez les Baker. À partir du moment où tu commences à aller dans l'espèce de labo de l'autre, puis t'as le bateau après, voilà, c'est... Il est long! Ah non, moi les fantômes, j'ai beaucoup plus de mal à avoir peur là-dedans. Enfin, ça dépend quand c'est bien fait. Visage, c'était bien fait.
visage, il y avait des parties où c'était vraiment, vraiment très, très bien fait. Donc ça dépend, c'est vraiment des ambiances. Je pense, c'est vraiment des ambiances. Moi ce que je préfère dans les Resident Evil, de toute façon, c'est les tracks. Tout ce qui est track, avec que ce soit le personnage de Jack Baker, que ce soit le tyran, enfin Mister X, ou ici avec Dimitrescu et tout ça, ou les loups-garous là. J'aime bien les tracks. Quand tu sais pas où sont les personnages, qu'il faut pas faire de bruit, ou qu'il faut vite se tirer, ou que tu peux tomber dessus à n'importe quel moment. Merci et bienvenue pour le follow, Destra. Bienvenue à toi. Ça grimpe sérieusement, Robin, on va se faire les mollets. Bah ouais, GG, oui et non, parce que on va voir combien de temps j'ai mis. Bah, en même temps, c'est pas une course, quoi. Moi, je préfère vraiment apprécier le jeu à sa juste valeur et tout. Bah, essayer d'en faire un maximum, et puis voilà, quitte à... Je m'en fous si le jeu ça dure 20 heures, si j'ai pris mon pied dessus, ça va. Mais voilà, ouais, le fait de savourer le jeu quand même. Alors, voyons voir. Tu penses que le garçon arrivera à toucher la lune? Mais personne peut toucher la lune, c'est beaucoup trop loin. Mais imagine qu'il a une fusée. D'accord, alors là oui, peut-être. Mais je suis sûre qu'elle est super froide. C'est pas la gamine quand même. Tu dis des bêtises, je ne pense pas que... Putain, mais c'est Dorothée Pousséo qui faisait la voix alors. Salut, papa. Joyeux anniversaire. Désolée de pas être venue la semaine dernière. J'ai pas mal de tests à passer. Tu sais ce que c'est. Évidemment, quand on parle du loup, le devoir m'appelle. Je t'aime. Ouais, j'ai trouvé. À ton avis. Justement, aujourd'hui. On a un problème. On a besoin de toi. Evelyne. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Wow, je plaisantais, Rose. Je peux faire des tas de choses dont même Chris n'a aucune idée. On la neutralise. Laisse tomber. Je peux gérer. C'est qu'une gamine. Faut que t'apprennes à te contrôler, Rose. Oh, ça va être la merde. Tu lui ressembles beaucoup, tu sais. Je sais. Ainsi s'achève l'histoire du père.
Putain. Oh merde. On va avoir l'histoire de la fille. Eh ben, c'est une bonne nouvelle que Ethan soit mort. Ouais, effectivement. Si par pitié, si on pouvait ne plus l'interpréter, ce connard, c'est parfait. C'est parfait. Et en plus, on voit son visage à elle, mais je suis pas sûr qu'on l'interprète prochaine fois. Hein. Eh ben, putain, temps de complétion, 15h! 15h37 minutes! Eh ben, je me suis sous-estimé. Putain, sniff mes points. Eh ouais, vous êtes beaucoup à avoir gagné. Vous avez dit entre 15 et 20. Bon, on était pas loin d'être en dessous des 15, hein, finalement. Non, on est pas mal, hein. Bah ouais, du coup, t'étais pas si loin avec tes 12. T'es moins loin que moi. Bon, bah... Un nouveau mode de difficulté est disponible. Vous pouvez sélectionner la difficulté au début d'une nouvelle partie. Les éléments suivants ont été ajoutés au menu bonus. Boutique spéciale, concept art, figurine, défi. Complétez différents défis pour obtenir les points de complétion. Les PC peuvent être échangés à la boutique spéciale contre divers bonus. Ok. Les vidéos suivantes ont été ajoutées. Ouais, d'accord. Ok. Vous avez complété l'histoire principale. Monsieur. Voilà. D'accord. Vous avez complété les défis suivants. Peuvent être utilisés pour acheter du contenu dans la boutique spéciale du bonus. Bienvenue en enfer. Noblesse oblige. La mort de la châtelaine. Jeu dangereux. Un poisson. Putain, la vache. Qu'est-ce que c'est que tout ça, gros? Ouais, vas-y. Je comprends pas ce que c'était, mais... je comprends pas trop ce que c'était. Mais... on va bien voir. Option. Je sais même pas où ça se situe. Il est où le truc là. Bon, en tout cas, bon, on a fini. On va se leur taper tout de suite. Parce qu'on en peut plus. Bah, j'espère que ça vous a plu. Vous l'avez trouvé comment ce Resident Evil Village? Moi je. Alors, maintenant je peux. Je vais vous le dire. Mercredi, hein, la vidéo. Mercredi, la vidéo sur Resident Evil 8. Donc, voilà. C'est vrai, il est très beau. Bon, moi, je vous l'ai dit, la première partie, toute la première partie, j'adore. La seconde, peut-être un peu moins, parce qu'il y a trop d'action, mais malgré tout, ça en fait pas un mauvais jeu. Scénaristiquement, bon, il y a eu quand même quelques retournements de situation, mais j'ai toujours du mal, moi, avec, par exemple, le fait que, vous voyez, la scène post-machin, comment, la scène post-générique, bon, la gamine, elle a quel âge, quoi, parce qu'on se situe en quelle année, quoi, du coup. Ça, on sait plus où on en est, quoi. Donc, moi, j'ai bien aimé globalement. Attends, parce que j'ai pas vu. J'ai bien aimé globalement, mais la seconde partie est pas top et plusieurs trucs sont pas ouf. On peut mieux faire, voilà, pas de quoi gueuler non plus. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça.
Ouais, après, si ça se trouve, elle est devenue ado en 3 ans. Mais il y a ça aussi. Pas d'ambiance limite rail shooter. Ah non, pas sur tout le jeu. Non, c'est faux. C'est sur certains. Voilà, par exemple, le truc d'Heisenberg, effectivement, c'était pas terrible. Mais en même temps, moi, je suis pas fan des combats dans Resident Evil. Je suis pas très fan. Je vous dis, je préfère les trucs où on cherche et tout. Mais par contre, tout le côté très ressemblant à Resident Evil 4, ça m'a vraiment plu. Et j'espère qu'on aura le remake du 4. À mon avis, ça va être le prochain sur la liste. Hein. Je crois qu'il est toujours. Je crois que c'est toujours d'actualité. Je suis pas sûr. Pas regarder, j'ai pas vérifié. Mais oui, la seconde partie, ouais, mais en fait, la seconde partie, c'est plus, ouais, c'est du shooter, quoi, mais c'est pas un rail shooter, ça, on est vraiment sur tu dois tirer dans tous les sens, c'est un peu, ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais bon, ça passe. À partir de la forteresse, c'est trop. À plus, c'est pis. Bonne nuit et bonne fin de soirée. J'espère que ça t'a plu. Donc, voilà. Je sais pas ce qu'on va faire prochainement en live du tout. À part que normalement, le 27 juin, le soir, normalement, hein. Donc c'est pas encore dit, mais je vous redonnerai les indications, je diffuserai sur les réseaux, mais normalement petit stream assez sympa avec donc mon pote qui interprète Luigi, et on va vous faire goûter à nos anciennes soirées où on faisait du Mario Golf, et là on fera le Mario Golf Rush Tour, là, ou je sais pas quoi, qui va sortir normalement le 25. Donc on devrait normalement le 27 au soir streamer ça et faire un petit truc avec caméra et tout. On va vraiment un truc un peu chill, mais bien, à mon avis, on risque de bien se marrer. Pour ce qui est de la diffusion de Super Mario Life, pour ceux qui ont donné les points, a priori ce serait samedi. Ça va être samedi. Samedi soir, je pense 21h30. On va commencer à 21h30. Parce que bon, il faudra que j'explique 2-3 trucs avant. Et puis, on fera la diffusion, et puis on discutera un peu après, et il y aura certainement le bêtisier aussi qui sera diffusé. Voilà. Ça me paraît bon. Je regarde quand même. Je regarde sur le Discord. Ouais, on est plus sur samedi 5 juin. Donc, bon, en même temps, je vais pas vous mentir que ça m'arrange, parce que il faut que je floute les noms des personnes qui ont participé au truc. Pas trop avoir d'emmerde, donc voilà, j'ai juste ça à refaire. Allez, à très bientôt, bisous du loup, et on se retrouve très prochainement. Ciao.